When you went there, were you familiar with this? Ah oui, oui, ah oui, bien sûr. C'est ça l'idée de la chanson? Oui, part. Oui, oui, c'est le final, c'est ouais. Le, oui, bien sûr, c'est le, comment dire, c'est la conclusion. Voilà, bah oui, when you went there, were you familiar with? Et alors, est-ce qu'on peut se retrouver et s'aimer dans une Algérie plurielle? Ou alors, est-ce que finalement, on peut s'aimer en étant de loin? Et se séparer, c'est mieux pour pouvoir s'aimer? Je n'ai pas compris. Il y a les Zaïriens. Oui. Puisque Thoulat Arvelit, elle n'est pas totalement reconnue et on ne vit pas pleinement notre berbérité des Smoutnil Zaïriens. Est-ce que pour pouvoir s'aimer les uns les autres, est-ce que parfois il ne faut pas s'éloigner? Est-ce que c'est possible finalement de vivre notre berbérité tout en étant algérien, dans cette Algérie plurielle que tout le monde espère? Maintenant, bien sûr, on peut s'aimer, c'est sûr, oui. C'est le contraire n'est pas... Voilà, mais moi d'abord, je demande à exister en tant que tel, en tant que Kabyle. Voilà. Mais sans renier les autres, au contraire. Moi, je pense que la seule solution pour l'Algérie, pas seulement pour l'Algérie, pour tous les pays, peut-être même en dehors de l'Afrique, voilà, c'est que chacun retrouve ses origines, chacun retrouve sa patrie, chacun retrouve ses repères. Parce que là, c'est tous les peuples de l'Afrique du Nord qui ont perdu leurs repères. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Moi, et peut-être aussi pas mal de gens avec moi, comme je vous ai dit déjà, je mets ma Kabylité et ma Kabylie là en premier. Après le reste, je ne suis pas contre qu'il y ait d'autres ethnies ou d'autres régions qui revendiquent leur existence, quoi. Ouais. Et justement, c'est pour revendiquer ton existence que tu arrives à une chanson « Edenir Nekdar Veirir ». Oui, oui, oui. Parce que ces derniers temps, c'est devenu difficile de dire que je suis Kabyle. C'est grave. Surtout avec le dernier mouvement. Ce qui s'est passé... Ça veut dire que tout ce qui est Kabyle, il va falloir le cacher. Parce que sinon on est séparatiste. Voilà. Non, sinon soi-disant, ce mouvement va se déchirer, quoi. Voilà. Donc ils ont fait croire à quelques-uns que la Kabylité, comme ils nous ont dit à chaque fois, c'est pas le moment. Donc il faut mettre de côté le combat pour notre identité et rentrer dans le lot. Voilà. Soi-disant pour faire partir le système. Mais malheureusement, le système est toujours là. Et la Kabylité et le combat, notre combat a regressé. Ils ont commencé déjà par interdire les drapeaux berbères, même. Pas seulement les drapeaux de... comment on dit le Kabyle, les drapeaux kabyles. Donc déjà, juste après l'annonce de l'interdiction d'avoir sur soi le drapeau, eh ben, toutes les régions ont suivi. Hein. Plus de drapeaux, ni à Alger, ni à Naba, ni à Oran. Aucun, hein, c'est fini. Donc c'est le retour aux sources, c'est le retour à la Kabylie. Donc il y a qu'en Kabylie que les gens quand même résistaient avec ce drapeau. Voilà, donc moi, à mon avis, la seule solution qui reste pour l'Algérie, ça va venir, hein, de toute façon. Et j'espère que ça va se faire pacifiquement. C'est que
je sais pas, comment appeler ça, un dépendantisme ou autonomie ou régionalisation. Je ne sais pas, de toute façon, qu'importe. Mais de toute façon, la seule solution qu'il y a, c'est que chaque région arrive à être elle-même et se gouverner.